France, c'est Aurélien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord, je tiens à m'excuser si, voilà, j'ai une voix un petit peu bizarre, tu vois, c'est l'adolescence, j'ai mué, tu vois, c'est... En fait, je suis malade. Voilà, je suis malade comme une bête, c'est qu'à le dire, ouais, voilà, t'es malade en juillet. Bon, bref, je vais pas vous expliquer pourquoi, c'est comme ça, je suis malade, je suis vraiment désolé, donc voilà, j'ai une voix de merde, j'arrête pas de tousser, donc j'ai essayé de me retenir en vidéo parce que ça n'a rien d'agréable. Mais voilà, la motivation est en moi, parce que je tiens à faire cette vidéo. Pourquoi ? Parce que je l'avais fait quand j'ai passé niveau 9, et là je vais passer niveau 10. Je tiens vraiment à faire cette vidéo. Pour moi c'est important, et en même temps je veux voir si, en fait, est-ce que quand tu passes niveau 10, est-ce que c'est vraiment une aide en plus ? Parce que quand, là je suis de nouveau à 3000 trophées, c'est niveau 9. Mais j'ai affronté pas mal de niveau 10 et je me dis, est-ce que quand t'es niveau 10, est-ce que ça aide en fait? Est-ce que tu peux continuer de perdre ou pas? Que quand j'étais niveau 9, là pour passer à arène 9, j'ai affronté des niveaux 10, j'avais un peu plus de difficultés, mais ça m'a pas empêché de les battre. Donc je veux savoir si ça peut aider quand t'es niveau 10 pour être arène légendaire, parce que j'en ai vu très peu, mais j'en ai rencontré quand même. Donc voilà, et puis au passage, on va ouvrir quelques petits coffres et on va passer niveau 10. Donc je commence par le coffre gratuit. Alors, 84 or, une roquette, c'est pourri, et 10 en royal, c'est pas mal. Même s'il est un petit peu trop cité, quoi. Allez, deuxième coffre gratuit. 78 or, une Valkyrie, et 10 mortiers. Pff, je fais la collection des mortiers. Allez, petit coffre géant qui fait plaisir. Alors, qu'est-ce que j'aimerais avoir? J'aimerais avoir des esprits de glace, des gobelins. Des esprits de feu, pourquoi pas. Des gargouilles. Qu'est-ce que j'aimerais avoir? Du mini PK, du cochon, j'aimerais bien. Barbare, pourquoi pas. Géant royal, c'est tout. Le reste, c'est pas trop mon délire. Oula, 1443 or. On a 4 cartes? Un Arkix. On a 3 cartes. 26 mousquetaires, je dis oui. 228 mortiers. Non! Le bûcheron dans un coffre géant! Non! Non, les gars! Non! Oh my god! Oh my god! Capture l'écran! Non! 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 Oh my god! Oh my god! Non! Oh maman, j'y crois pas! Un bûcheron dans la coffre géant! Mais vous voyez, j'ai vu 4 cartes, j'ai dit, vas-y, je peux pas avoir une légendaire! Oh my god! Bon les gars, stop! 2 secondes, stop! Les gars, il faut que vous le disiez quelque chose, 2 secondes de parenthèse vidéo, mais j'en peux plus, il fallait que je fasse une vidéo là-dessus, mais là j'en fais maintenant! J'ai une. On va faire le point sur mes légendaires. J'ai 3 sorciers de glace au total. Le premier, j'ai eu dans un coffre gratuit. Le deuxième, j'ai eu dans un super magical cest gratuit. Le troisième, j'ai eu dans un coffre en or. Ou à couronne. Un coffre à couronne. Un coffre à couronne. Le molosse, je l'ai eu dans un coffre en argent. La princesse, je l'ai eu dans un coffre en or. Et là, j'ai le bûcheron. Le bus sont mis dans un coffre géant. Les gars, dites-moi dans les commentaires, est-ce que je dois jouer au loto? Je dois jouer au loto, c'est pas possible. Oh my god. Oh là là. Pouh, les gars, on est bien les gars. Vas-y, joue au loto. Là, c'est un gros like pour ça. Allez les gars, on va passer niveau 10. Alors, à l'époque, on était passé niveau 9 avec le sort de zap, le sort d'électrocution niveau 9. Là, on va passer niveau 10 avec le sort de zap de niveau 10. Tu vois, on respecte la tradition du sort de zap. C'est parti, 8000 d'or. Allez, sort de zap de niveau 10. Je vais prendre une petite screenshot que j'aime bien ce sort de zap. Et... Oh là là, c'est la journée de malade, les gars. La journée de malade. Oh, on est bien, les gars, on est bien. Allez, niveau 10! Oh là là! Là, on pèse dans le game, là, avec ma chance de malade et tout. Merci, Takuno, pour l'esprit glace.
C'est cool, mon gars. Allez, je te propose une petite game. J'ai pas de deck avec le bûcheron là sur place. Là maintenant, je ferai une vidéo à part, les gars. Allez, je vais jouer mon deck normal par contre parce que. On va voir si ça aide. Oh là là, le bûcheron, les gars, je m'en remets pas. Alors, on tombe contre un niveau 10, forcément. Alors, ça tomberait pas contre un niveau 9. Bah non. Oh là là, bon, ah ça fait plaisir, j'y crois pas, ça fait trop plaisir. Oh là 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 là. Ah, il joue PK, là il va avoir du mal à défendre. Il joue double prince PK, forcément. Et là, je te prends la tour, mec, hein. Bah oui, forcément. Allez. Allez, hop. Pas le temps de niaiser. Pardon, les gars, excusez-moi. C'est ça quand t'es malade et que t'as trop d'émotions. Ah non mais... ouais voilà, tu vas focus mon... Hop. Et... Oh là là, la princesse, tu vois le niveau... Le niveau de la princesse, son niveau de tir, tu vois... Oh là là, bac plus 10, Arcer, tu vois... Oh là là, elle a tout tué, elle a même tué les gargouilles. J'y croyais pas, j'ai dit vas-y les gargouilles, je vais me les prendre, mais non, t'inquiète, les prends pas. Oh là là, le prince là, oh là là, les dégâts. On est bien les gars, si on peut gagner la petite game là, je dis oui. Allez, hop, son prince ténébreux qui va affronter le mien. Hop, les gobelins contre la princesse là, en mode vas-y, ni vu ni connu. Paf, on défend, on fait le taf. Hop, si le prince ténébreux peut mettre un petit coup. Non, rien, tu te calmes un petit peu. Bon, si on peut gagner la game, ça serait pas mal parce que. Je vais mettre l'extracteur d'élixir là, ça fera effet de diversion peut-être. Et en même temps. Ça serait cool. Allez, hop, bah voilà, ça je m'en doutais, les gars. Ça, je vous le dis d'avance, je m'en doutais. Et là, ça je m'y en doutais pas, c'est chaud à gérer quand il a l'avantage comme ça là, c'est chaud. C'est ça le problème en fait du PK double prince, c'est que dès qu'il prend trop l'invasion, ça fait mal. Et du coup là je vais peut-être perdre, je serais pas étonné. Ouais je vais perdre. C'est pas grave, parce que j'ai le bûcheron, c'est que ça qui compte. Merci, t'en prie mec. Tu vois, c'est tellement émotionné que... Que voilà quoi. Moins 31. Ça va, je reste à Rennes 9, c'est ce qui compte. Je reste à Rennes 9. Donc pour l'instant, niveau 10, bah, est-ce que je vois la différence? Pas vraiment. Je pense que, bah, bien sûr, si tu tombes contre des niveaux 9, ça va être beaucoup plus avantageux. C'est qu'à le dire. Après faut voir. Après bon passer niveau 11 ça demande pas mal d'XP. Mais franchement ouais je pense qu'être niveau 10 ça peut que aider forcément. Donc voilà, je ferai peut-être un deck avec le bûcheron parce que c'est vraiment une carte légendaire que je voulais avoir. Je suis refait les gars, je suis malade comme une bête. Mais là le bûcheron je crois que tu vois j'ai le nez du bûcheron un peu en ce moment, tu vois, on est aussi rouge l'un que l'autre. Bref, j'arrête mes conneries, mais là, je voulais tester, je voulais avoir le bûcheron. J'hésitais entre bûcheron, Japi, mineur à vouloir avoir. Et là, je suis vraiment content, donc j'ai hâte de le tester. Donc voilà, les gars, fin de cette vidéo assez épique, c'est qu'à le dire que je m'y attendais pas. Donc si cette vidéo t'a plu, là, c'est un petit pouce bleu, surtout pour mon bûcheron. Je crois que résumé de la vidéo, c'est bûcheron, tu vois. Et puis, bah voilà, n'hésite pas à la partager, cette vidéo, pour cette sens épique. Et à t'abonner si ce n'est toujours pas le cas. Voilà les gens, assez parlé, la fin de cette vidéo. Sur ce, portez-vous bien. Sur ce, bye.